Bonsoir chers amis, moi souhaite vous bienvenue sur chaîne ça. Moi content pour m'accueillir aujourd'hui encore, nous dimanche et gens qu'on connaît déjà depuis l'heure arrivée. Rendez-vous à casser pour nous retrouver nous ensemble pour nous partager l'idée, exercer nous dans une pédagogie la foi chrétienne et nous content de ce que aujourd'hui encore ou choisir rejoindre nous pour nous faire exercer ça ensemble. Jodi a, mwen vle partaje ave nou yon suje ki tre tre important, jan mwen mè fè li, yon suje ki gen rapor a sa la parol de Diyo ensegnye, men ki gen implikasyon tou sou jan ap viv nan sosyete a. Suje yon, se yon pasaj an realite ki fè an pil kritik, nou jwenni nan Efesien ou chapitre 6, se pasaj ki di, esklav, obeyse a vo met, esclaves, obéissez à vos maîtres, et m'a parlé tout passage en pour vous. Donc, c'est de ça nous pourrons parler, nous parlons implication passage ça, nous parlons qui ça qui derrière lui, et m'a présenté aux critiques lui, et nous parlons qui ça nous a apprendre de passage ça. Alors, encore une fois, chers amis, bon retour sous chaîne ça. Mwen pral li teksan pou nou, mwen getan di nou, nan pral trete jodi an, suje ki gen rapor a sa la Bib ensegnye sou kesyon rapor de group moun ke dan le tan ki te non posisyon de soumisyon, non posisyon subalterne, e teks lan tradwi li par esklav, men mwen pral montro ke le la Bib va pale de esklav, de ki sa la fe referans, a ki realite socio-historique la fait référence qui fait que qu'on gagne de confusion en réalité. En tout cas, texte en dit, m'appelle dans Éphésiens chapitre 6, traduction par maintenant, il n'est pas utilisé mot esclave, il utilise mot serviteur. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 5, il dit comme ça, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Nous avons un temps pour nous lire encore. Encore une fois, il y a une traduction qui utilise le mot esclave. Le Mdalga de Nabib créole, il n'y a même pas utilisé esclave, il n'y a pas utilisé serviteur, il a utilisé domestique, ouais, moun qui n'en rapport là, et il parlait de devoir domestique, et en créole, il dit comme ça, Ephésiens 6, verset 5, nous-mêmes, domestiques, obéis maintenant, bien sous la terre, avec respect, avec craintif, à tout que nous, même Jean nous t'a servi, Christ là. C'est pas seulement les yo là à garder pour nous agir comme ça, tant que moun kap acheter figui. Au contraire, fais ça, bon Dieu, vle nous faire à tout que nous, tant que moun kap servi Christ là. Au contraire, fais ça, bon Dieu, vle nous faire à tout que nous, tant que moun kap servi Christ là. Première remarque ou café, gagnez plusieurs traductions sous mot ça qui prêtait des fois en pile équivoque, esclave, des textes qui utilisent serviteur, et dans traduction créole là, yo parlait de domestique. Nous-mêmes domestiques, moun kap occupé yo de travail de maison. Mais l'idée c'est même bagalan, obéi à mettre nous, obéi à moun qui sous tête nous dans kailan, moun qui censé représenter chef foyer. Ça n'a pas relé dans non langage d'économie qui pas loin à sa l'idée texanier, chef de ménage, moun qui gen responsabilité kailan. Texte l'en dit pour nous obéir à moun sa yo. Non seulement obéir à ve yo, mais fèl de bon cœur. Fèl de bon cœur comme si c'est à Christ même n'a fèl. Ouais, de telle sorte que service n'a prendre non, nous pas prendre li pour moun sa, mais n'a prendre li selon sa bon Dieu vle pour bon Dieu. Très important et moi vais expliquer nous en détail pour qui ça, moi prend temps pour me présenter dans différents langue sa yo, dans différentes traductions sa yo. Si nous permettons, moi, bon commencer par critique qui fait son texte comme ça, surtout le moun yo li nan version
qui pi rude lan, version qui pi duan, enfin, nan zye nou en tant que moderne, et surtout nous autres haïtiens, qui gen yon histoire qui liye à question esclavage, bon m'explique nou pou ki sa, on texte kon sa li choke, et qui critique qui fait par rapport à lui-même. J'aime de doulan, c'est esclave, obéissez à vos maîtres. Genyen pour un pile moun qui lit un texte comme ça, ça me relè yon double embarras moral et puis historique. Moun yo senti yo embarrassé moralement pour qui ça? Parce que d'abord, yo estimé que texte ça son forme de légitimation de l'esclavage. C'est comme si m'dadou là, la Bible li légitimé exploitation moun par l'autre monde, la Bible ta bay yon carte verte à institution ça qui c'est l'institution de l'esclavage. C'est premier bagay qui mette yo nan yon forme d'embarras moral. C'est comme si m'dadou lan la, yon Bible, yon livre sacré tankou la Bible, comment le ka fè justifié? Ça mwen rele avec en pilote yon naufrage idéologique de l'humanité côté moun asservi moun. Moun réduit moun à l'état d'esclavage, et l'état d'esclavage, m'te gen occasion parlons de ça dans l'autre circonstance, c'est état côté moun pas moun encore. Moun vin tankou on bien, yon bien meuble, yon ka utilise jan yon vle. Donc, critique qui fait sous texte ça dit comment la Bible, yon livre sacré comme ça, yon livre qui prétend li vini pour libérer moun de esclavage péché, de l'autre forme d'esclavage, comment le cas fait à légitimer esclavage, exploitation moun par moun? Et ça pour yo poser un pile problème. Ça c'est premier embarras moral. Donc yo pas qu'à supporter yon livre comme ça, yo pas qu'à marcher dans logique yon livre cap dit pour esclave yo d'accord sous met yo en tant qu'esclave avec met yo. Et si nous honnêtes, chers amis, nous-mêmes en tant que chrétiens, faut que nous ka recevoir critique ça bien. Faut que nous ka comprendre raisonnement. Parce que l'on li texte, effectivement, li ka choquant. Surtout pour nous autres haïtiens, m'a dit encore, nous avons une histoire qui lié justement à l'esclavage. Nous avons une histoire côté ancêtres nous yo, yo te exposé à forme d'exploitation que nous relè exploitation par l'esclavage là. Ouais, yo pas considéré autant que moun, yo te considéré autant que yon bien meuble, l'on bien meuble ou disposé de li ou fait ça ou vle avec li, ou utiliser le jon ou vle, li pa gen dignité, li pa gen respect, li pa gen droit, ou fait ça ou vle. C'est même d'un certain point de vue pi mal que yon bête parce que bête là ou gagner sous besoin le continuer servir ou connaît faut qu'on ballon minimum pour vivre. Ouais, ou connaît par exemple faut bal manger, faut bal boire, faut dormir ou bal un régime de vie qui ca permettre les bon rendement leur besoin utiliser. Alors que condition objet hein, c'est vraiment un bagage de vraiment d'utilisation ou ca vaut et le jeter l'ovlé. Parce que tout simplement, il n'y a pas qu'un statut. Il n'y a pas qu'un statut moun. Seul bagaille qui a fait yon moun dans la logique esclavage hein, et prend soin yon esclave, c'est uniquement pour esclave à cabal rendement. Il n'y a pas t'a remè perdu investissement le fait sous esclave là. Sinon, il utilise esclave là tant qu'yon bien. D'ailleurs, dans le code noir, article 44 code noir, c'est comme si m'dadou là, la loi qui te régit fonctionnement esclavage dans colonio dans article 44 là c'est ça le dit esclave là c'est propriété maître li esclave là c'est propriété maître li tout ça pour moi dit nous chers amis li tout à fait compréhensible le yon haïtien appli un texte concernant la bible pour texte en choquel parce que li gagnent tout imaginaire, li genyen tout et image tant colonien k'ap défilé nan tèt li et li estimé que texte a meté devant yon situation d'embarras, un embarras moral k
qui fait que le pas cautionner un bagage comme ça. Et là dit tête comment la Bible qui a fait cautionner yon institution qui si inhumaine que institution esclavage. Faut que nous comprenions d'abord, faut que nous tendions raisonnement, faut que nous comprenions parce que quelque part raisonnement fait sens, même si raisonnement li fait faux pas parce que gon bagage li pas comprendre, nous pas louer ça, mais déjà faut que nous-mêmes nous gagnons capacité pour nous tendions raisonnement. Yon façon le n'a répondre à critique là pour nous ka répondre avec. N'te parlo de deux embarras, deuxième embarras texan, moi été tout anticipé sous li, c'est embarras historique là justement. Ouais, gen embarras moral là, gen embarras historique là. Embarras historique là, c'est ça me saute détail ba ou an. Gen en pile zanmi yo qui dit si zan sèt nou yo, yo te obéi texa. Yo te d'accord logique texa. Zanset nou yo pa tab jam fait révolution pour nous libre, nous peut-être sinon nous tab toujours esclaves nous-mêmes petit yo, du moins nous pa tab gen fierté pour nous lever tête nous qualité fierté ou connaît tout haïtien gagnant le y a parlé de Haïti comme première république noire, nous t'ai fait indépendance nous liberté nous, c'est pas cadeau yo t'ai fait nous, c'est bataille zanset yo t'ai bataille. Eh bien, zami yo, a raison d'ailleurs, yo fait qu'on est 6 ans 7 nou yo. Yo te li la Bible pour yo te obéi injonction ça, l'ordre ça, esclave obéissez à vos maîtres. Zan 7 yo pa t'a faire révolution. Yo t'a tant kou on paquet moun k'ap subil et à cause de ça, moun sa yo di yo pa ka accepter un texte comme ça parce que texte là li fayon espèce, c'est comme ta dit ça, yon accro à exploit historique zanset nou yo fait. Li remette en question exploit historique zanset yo fait. Là encore, gon logique dans raisonnement et nous autres faut nous tendre, faut nous comprendre ni parce que le présenter comme ça, li gon certaine logique là dedans effectivement. Sauf que raisonnement ça ni d'un point de vue moral ni d'un point de vue historique, il y a deux gros problèmes. Et c'est là, peut-être, où qu'a commencé, faisant mis en comprendre, mais qui qualité problème qui gagne un raisonnement comme ça? Premier problème raisonnement ça gagne, par rapport à embarras moral là, c'est que interprétation ça de texte là, Livine fait la Bible non situation de conflit avec propre tête pâle. La Bible vient passer tant qu'un livre cap justifier ou bien cap légitimer exploitation moun par moun a exploité moun, alors que nous connaît si gagnon livre qui présentait la grande famille humaine tant kou yon grande famille justement, si gagnon livre qui présentait moun tant kou frère ak sœur, c'est la Bible. La Bible, c'est un livre qui présentait peut-être plus clairement dans tout livre peut-être qui gagnait, considéré comme livre sacré, dans toute religion qui gagnait. Le christianisme, c'est religion de la fraternité humaine. Si gagnait une religion qui fait bagaille sa chita dans l'esprit nous, c'est le christianisme qui fait nous connaître que nous, ses frères, axe nous fait partie de yon seule race. D'ailleurs dans la Bible pas gagne deux races, trois races, bon seule race, la race humaine. Nous gagne yon seul père créateur, pas nécessairement rédempteur, mais père créateur qui pas confond à père rédempteur, pas vrai. On seul papa qui c'est bon Dieu qui créé tout le monde. Donc dans ce sens ça, nous tous nous c'est frères, nous tous nous c'est sœurs. Donc la Bible fondement principe la Bible, c'est fraternité humaine. En d'autres termes, ça m'a pensé, il faut comprendre, si lecture ça, l'été en lecture juste, lecture qui dit la Bible cautionnée, la Bible by quatre vertes à esclavage, si lecture ça t'est juste, l'été mette nous dans une situation de conflit, c'est comme si la Bible tape en conflit avec propre tête pâle. Parce que, d'un côté, la Bible tape d'accord pour moun ap exploiter moun, de notre côté, la Bible t'a dit nous tous ces frais. Lors ces frais yon moun ou pas exploité. Lors ces frais yon moun ou vle sa ki bien pou li.
Lors se fre yon moun ou considérer intérêt moun nan, même jon considérer intérêt pa ou. Donc si lecture sa, c'était yon lecture qui était juste, li tap mette nou devant situation de conflit de principe par rapport à ça la Bible encore enseigné, par rapport à ça la vision chrétienne du monde l'hypothé. C'est ça qui fait lecture ça li pose problème. La Bible pas une situation de conflit avec propre tête parle et j'en pour le montre là, c'est parce que yo font mauvaise interprétation de texte là qui fait nous aboutir à situation de conflit ça. Très important. Donc premier embarras moral qui fait moun ta di la Bible semblait ap légitimer esclavage, j'en note qu'on est l'esclavage des temps modernes, l'esclavage qui était mis en place aux Caraïbes, en Amérique. Eh bien, genre de rapprochement ça, yo pour ta di la Bible li son livre immoral, lecture ça li conduit à un impasse. Donc li pas une lecture qui juste de sa texte là à enseigner. Ça son critique fondamentale parce que encore une fois c'est depuis dans l'Ancien Testament rivé jusqu'au Nouveau Testament, la Bible a montré yon seul bagay. Moun créé à l'image de Dieu, nous tous nous sortions seul côté, pas gagne plusieurs races, gon seule race moun qui c'est la race humaine, gagne plusieurs ethnies, hein, mais gagne seule race. Et donc la Bible pataka a prôné depuis l'Ancien Testament, jou krive dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus lui-même, dans tout sermon lui sur la montagne, l'a montré principe fraternité humaine ça. L'a montré moun qui proche ou mais qui moun lié. C'est moun ça qui font seul. Ouais, ou doit considérer l'autre là même en moulan. Ou doit porter sous lui un regard d'amour. Donc pas loin puis devant pour libérer de ça qui fait l'a chercher fort mal, pas vrai? Eh bien, c'est depuis l'ancien rivé jusqu'au dans Nouveau Testament, c'est même message en kabaye. Gagne yon seule race, gagne sa yorele, la race humaine et nous tous nous ses frères, nous tous nous ses sœurs en ce sens que nous gagnons seul papa. On père créateur, encore une fois m'a précisé. Bon Dieu engendré nous. C'est bon Dieu créé nous, li c'est papa tout le monde d'un point de vue général. Mais gon engendrement spirituel qui pral fait en Jésus-Christ, pral gon distinction. Le m'a parlé de engendrement, gen deux aspects la donne et nous pral retourner sous lit à l'heure. Donc en d'autres termes, le christianisme, la chrétienté, si n'a brelé yon religion, c'est la religion de la fraternité humaine. Donc l'ipaka a justifié l'esclavage. Donc pour zanmi qui pensait la Bible justifie l'esclavage, yo devons en contradiction. Ça c'est première chose. Deuxième bagaille par rapport à embarras historique là, c'est comme si m'dadou verset ça, li fait yo t'ap obligé pas considérer exploisant cet yo fait si yo t'a accepté un verset comme ça. C'est parce qu'en réalité, dans tête moun qui interprète le concert, li établi yon équivalence entre esclavage au 1er siècle, qui c'est contexte passage ça, 1er siècle sous l'Empire romain, avec esclavage qui te gagné au 18, 19e siècle dans les Caraïbes ou bien en Amérique là. Yo font amalgame entre deux manifestation ça y aurait les esclavage. Et c'est un problème épistémologique. Épistémologie, c'est façon ou penser yon réalité, outils ou utiliser en tant que moun kap réfléchi pour penser réalité ça. Son problème épistémologique parce que c'est vrai, yon utilise même moi, esclave, esclavage, mais en fonction de contexte là, mot ça li pas renvoyé à même réalité. Très important parce que si ou comprendre ça ou comprendre qui ça fait gagner confusion, gagner amalgame. Là y a parlé de esclavage au 1er siècle et esclavage au 18e siècle. C'est vrai, yo utilisé même mot, même notion, même concept là, mais en réalité, y a décrit de réalités différentes.
De telle sorte que esclavage qui t'est gagné au 1er siècle, chers amis, ce n'est pas esclavage ça qui gagne au 18e siècle. Esclavage au 1er siècle est foncièrement différent de esclavage qui pral gagner par la suite au 18e siècle. Et nous connaissons assez, jodian, par rapport à ça qui t'a passé dans l'esclavage, moi les esclavages anciens, pour nous pas confondre avec esclavage moderne, esclavage nouveau. Bamba nou yon nan diferans ki genyen an de esklavaj sa yo. Esklavaj ansyen yon ak esklavaj modern nan. Nan esklavaj ansyen yon, le yon moun preton kob nan meyon lot moun, le l rive pou l peye kob lan l pa ka peye, yon nan fason li te fe fas a det lan, li bay tet li o servis de moun li dwe yon pandan yon certain tan. Et c'est comme ça li vin au service de moun nan l'te douyan pour le ka éponge d'être là. Ça c'est l'esclavage ancien, c'est comme ça yo te considéré yon moun comme ça nou rele esclave là. Et en réalité, moun nan plus non situation pour la servir pendant yon certain temps pour le ka éponge yon dette, pour le ka effacer yon dette. Ça son aspect, c'est qu'on soit jwenn de moun qui en bas autorité ou en bas en bayon moun kap travay parce que li bezwen paye yon dèt li pa ka paye. L'autre catégorie moun ki vin nan situation d'esclavage, c'est à partir de guerre ki te kon fèt, le yon l'armée batay avec yon lot et li vènk lot lan, li pran moun sa yo soldat lot l'armée comme de prisonniers de guerre. Ces prisonniers de guerre sa yo en général yo considéré comme de esclaves. Prisonniers de guerre sa yo, yo kon kontrent yo fè de travail parce que kounya yo pa ka jwi de liberté, yo perdu bataille lan, donc yo klase yo tankou de esclave. Ça son l'autre catégorie moun ki te an dan catégorie globale yo rele esclave lan. Gen on l'autre catégorie encore, c'est de moun ki te toujours ap travay avec ou mèt et puis lèl rive pour le tal fait vie, li choisi maintenant tellement bien servi avec lui. Moun sa ki li te levé avec lui, soit moun nan te gagné li pendant un certain temps. Moun sa au lieu l'accepter prendre liberté, li remè traitement maintenant bali, li rete pour continuer servir maintenant. Ça son l'autre sous-catégorie que yo classé en dans catégorie moun ki nan esclavage. Comparer tout ça me saute dit nous là avec ça nous connaît qui t'est passé dans temps moderne au 17 18 19e siècle avec esclavage qui t'est gagné en Amérique le européen yo y a cherché de noir en Afrique yo fait au traverser l'Atlantique dans bateau pile pa paquet youn sou l'autre pour yo vinn planter yo sous de champs dans plantation pour yo et fait au travail forcé et pour yo traiter yo j'aime d'ab dit nous tout à l'heure moins passé moun esclavage ça me les moderne non li foncièrement différent de esclavage premier siècle yon nan grande différence li c'est que d'abord c'est ton esclavage d'après elle dit qui structuré par le racisme en d'autres termes moun sa yo yote fait esclave yo c'était de noir et yote parti avec l'idée européen yo sa yo les caucasiens yo yote parti avec l'idée race yo a m'utiliser race entre guillemets là n'a pour reprendre logique yo a nous autres chrétiens nous connaissons seul race j'aime de dire non mais yo utilisé le fait que yo gagne couleur peau différent pour yo poser supériorité yo c'est comme si m'dadou tout monde noir inférieur à tout monde blanc et donc esclavage c'était un esclavage structuré par le racisme c'était monde noir yo té réduit à l'esclavage c'était monde noir yo té réduit à l'esclavage essentiellement de telle sorte que dès pour fait ou fait esclave en tant que noir yon noir qui fait nan kolonian automatiquement li fait esclave à moins que li ta joui de yon œuvre bienveillant de yon moun qui t'a pral affranchir par la suite à la suite de service rendu etc. mais le simple fait d'être noir
forné dans catégorie ou fait dans catégorie moun sa yo ou tout esclave. Alors que esclave dans ancien temps, li pa gen aspect racisme la donne. Pas de question c'est noir qui pour esclave l'autre catégorie moun pa. N'importe moun te ka esclave en fonction de ça me sou t'explique ou là. Ça c'est yon nan différence fondamentale qui gagnent. L'esclavage du temps moderne son esclavage qui fait sous base yon vaste kidnapping. Alors mrelel un système organisé de kidnapping lié à séquestration. Yal kidnappé zansèt nou yo et côté yal kidnappé yo en Afrique, yo vini avec yo, c'est de kidnapping de masse organisé qui jwenn support système nan en Europe, hein, système politique, idéologique, système économique, là, qui sont système d'exploitation. Parce que c'est dans le moment ça, yo, les pays européens, yo pral fait expansion économique, yo. Et expansion économique, ça, yo fait au dépens de moun ça, yo yal chercher, vin travail gratis pour yo, puisque c'est pas moun yo yé. Donc, yo organisé yon coquin chain kidnapping de masse, yo séquestré moun yo. Sous de champs ouais dans plantation yo c'est comme si m'dadou son gros prison à ciel ouvert chaîne nan pied yo pour yo travailler la terre pour yo produire richesse bay yon groupe moun qui estime yo supérieur. Ça c'est l'esclavage moderne. Naturellement ou comprendre ni pa gen rien pour ouais à esclavage nan temps ancien nan temps sous l'empire romain au 1er siècle, qui c'est contexte l'apôtre Paul a pu utiliser pour écrire les ça à chrétiens Éphésio. Ouais, donc ça, chers amis, c'est fondamental. Embarras historique, là, ils sont embarras mal placés parce que ils confondent deux types d'esclavage. Ça y est. Maintenant, on dit, mais est-ce que ça veut dire esclavage là, il était bon? Non, ça ne veut pas dire esclavage là, dans ton ancien, il était bon. Et je vais expliquer ça que fait même esclavage dans temps ancien, il y a de gros problèmes parce que il y a de formes d'abus, peut-être pas dans même niveau d'excès avec esclavage moderne, non, mais il y a de formes d'abus qui te qu'on fait. Donc, en d'autres termes, moi pas dit nous que esclavage du temps de l'Empire romain était bon, moi seulement a fait nous comprendre que il était foncièrement différent de esclavage moderne, non. C'était deux réalités, même si yo utilisé même mot esclave, esclavage, mais c'est deux réalités différentes là décrit. Une fois que me fin fait premier des briefing ça pour si me dit le comme ça, me vin déblayer et terrain pour critique yo. Nous pas rentrer dans texte là pour nous comprendre de qui côté l'apôtre Paul a parlé, de qui lieu l'apôtre Paul a parlé, et qui sa livre le dit dans texte, le lab dit esclave, obéissez à vos maîtres. Nous te font exercice de pédagogie comme ça, ou songez, le nous t'a parlé de soumission madame à Marie, et Marie comment pour le remet madame, et bien c'est le même type de pédagogie ça n'a fait par rapport à texte, et c'est la donne n'a rentré là, chers amis. De qui ça l'apôtre Paul a parlé, qui référence l'apôtre Paul a fait. Premier bagage vous devez comprendre, dans le contexte l'apôtre Paul a parlé, hein, l'église de Jésus-Christ est enfin inaugurée au moment de la Pentecôte, pas vrai, après réunion disciples dans la chambre haute, Saint-Esprit vini, qu'on y a, monsieur Ogaye, il a répondu la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Bonne nouvelle, non? L'apôtre Paul c'est youn nan moun, sinon seul monde, c'est youn nan moun qui te pote bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ vers moun que juif yo te considéré qui pa doué nan gen accès à royaume nan kap établi parce que moun sa yo c'est païen yo ye. Conception juif la nan époque lan, c'est yo même yo c'est le peuple de Dieu d'ailleurs jusqu'à présent, hein. L'homme dit conception juif la nan époque lan, il faut pas croire que kounya bagala changé, c'est toujours même réflexe là pour en pile là-dedans yo. C'est yo même qui peuple bon Dieu. Tout l'autre moun yo,
c'est de monde qui pas gagne accès à royaume non le messie a venir c'est pour yo la venir et l'apôtre Paul Jean on connaît là ou même qui a habitué verser dans la parole l'apôtre Paul il t'ai gagné appel sous Vili pour aller vers monde ça qui pas juif pour enseigner pour propager la bonne nouvelle du salut comment qu'on y a là tout monde qui a gagné accès à bon Dieu. Comment qu'on y a là, royaume bon Dieu a li ouvri, pas dans le sens juif yo te pense, royaume non pral établi, yo pral renverser l'empire romain, yo pral prendre pouvoir, qu'on y a bon Dieu a toujours avec yo. C'est ça yo tap tan, le yap tan Messie. Et c'est ça qui fait jusqu'à présent yap tan Messie an, qui pou vin établi règne li sous la terre. Alors que Messie an vini, yo pas rendu compte que travail an commencé. Jésus vini, royaume bon Dieu établi partiellement. Donc l'apôtre Paul, chers amis, il allait vers païen yo et m'dabdou dans acte des apôtres l'église établie. Soit li récit établissement l'église, l'histoire de l'église, ou a réalisé que l'église en établie, moun yo parlait toute qualité langue et chaque moun qui était dans espace côté apôtre yo t'a prié. Yo tande moun yo a parlé dans langue païen. Ça son premier fait important que nous devons peser sous lui. En d'autres termes, l'évangile vient parler, vient propager dans le langage tout le monde. Tout le monde qui a recevoir l'évangile dans le langage que vous comprenez. Tout le monde qui a recevoir la bonne nouvelle dans quel que soit milieu social, économique, politique et où taillé, dans quel que soit pays où t'as sorti. Donc, message dans l'ibaï dans toute langue. Ça sont un aspect qui est très important. Et l'apôtre Paul, dans le travail, dans l'œuvre missionnaire, il peut aller en prison. Là, nous faisons un saut pour aller vers Actes, vers chapitre 14, 15, 16. Et nous pouvons aller côté l'apôtre Paul, dans la situation, en prison. Il fait plan sur la ville, son gros légume, on est tap chache, yo rive kembe, parce que accusation qui te gen contre lui l'a créé et parmi les juifs soulèvement et romain yo à l'époque yo très 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 prudent yo très à cheval sous question moun kap soulever moun parce que son empire ou gagnen moun kap soulever l'esprit moun pour moun yo faire révolte yo toujours prend le soin pour yo mater révolte ça yo toujours prend le soin pour quel que soit moun ki ta gen tendance révoltéan, yo bal sa le mérite. Parce que empire lan, li établi et li vini pour l'établi pour tout temps. Donc, Romain yo particulièrement, du temps de l'apôtre Paul, yo particulièrement attentif à toute forme de soulèvement moun kap joué dans l'esprit moun pour ta fait yo soulever contre empire lan. Et c'est ça, juif yo pral utiliser, on parti nan juif yo pral utiliser contre l'apôtre Paul. Yo pral mette accusation sou li comme moun kap soulevé moun yo li vin an lot bagay li vin enseigner yon bagay que nous même juif nous pa konnen nan sa nou genyen comme livre sacré donc yo pointé du doigt chrétien yo comme moun ki vin an bagay kap perverti l'ordre kap bat pou yo chavire ordre empire romain te établi c'est comme ça pour me faire histoire bref l'apôtre Paul al nan prison chers amis. L'apôtre Paul dans la prison, yo tellement considéré l'apôtre Paul tant qu'un homme pour yo bien surveiller. Yo fait de garde spécial surveiller l'apôtre Paul. Il se trouve que au beau milieu de la nuit, texte qu'on connaît très bien, eh bien gagné une intervention divine qui pral faire. Terre après le trembler, prison porte prison pral ouvrir et me supposé texte en pas dit. Au Cali, dans Actes chapitre 16, nous supposons qu'il y a quelques prisonniers qui profitaient sauvés. Et mes gardes spéciales, ils ont été élevés en prison, côté l'apôtre Paul. Tête monsieur, responsable en chef, la tête monsieur commençait chaud. Il dit, ça le bras le fait là, mais monsieur, ils ont sauvé. Paul était avec Silas, mais monsieur, ils ont sauvé. On y a là, par contre, qui ça le bras le dit, moun qui était balveillé, monsieur. C'est comme ça pendant monsieur préparé pour la faire tête li mal. L'apôtre Paul pral dit monsieur non, ou pas besoin faire tête ou mal. Nous pas sauver nous là.
Monsieur épaté, monsieur ébloui, parce que monsieur ouè sa fait là, porte prison l'ouvri. Li pa ka explique l. Yon belle occasion kon sa ki présente devant Paul ak Silas pou yo sauve. Ki sa ki fait monsieur ou pas sauvé? Et c'est le sa, li pral fait on kokin chen profession de foi, ou bien li pral font confession. Li pral mande Paul ak Silas, mais ki sa pou me fait? Et c'est le sa, parole célèbre sa nou konnen, ak 16:31. Quoi, ô Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et c'est l'âme de vle rive, justement. Quoi, ô Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Là, nous n'ayons un contexte pour comprendre. Non, l'apôtre Paul, par la suite, pral parler de rapport de soumission. C'est toujours rapport de soumission en dans cadre de famille, ça. C'est ça que fait, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Garde-l'en, qui t'est responsable prison, hein? L'ICE, chef de ménage, c'est lui qui chef la Kaeli. S'il accepte Christ, tout Kaelan automatiquement accepte Christ. C'est consalteillé. En d'autres termes, chers amis, logique-l'en, si moi-même, moi chef famille, moi c'est moi mettre Kaelan, moi c'est moi qui apprend soin famille, qui apprend soin Kaelan. Si me décide de convertir à on dit en religion, automatiquement tout Kaelan obligé suivre moi. Et c'est sans ça quoi au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille gagnant. Parce que en réalité chef de ménage là, c'est lui qui dicte, qui direction ménage là, foyer, en famille, apprend. Et tout ça, l'apôtre Paul pral enseigner dans le cadre ça, par rapport à l'esclavage, par rapport à Marie, à Madame dans le foyer, c'est toujours dans le cadre ça. Donc, premier élément pour nous bien comprendre, esclaves, soyez soumis à vos maîtres, c'est une injonction qui concerne d'abord prioritairement moun sa yo qui nan rapport de nan nouvelle naissance là, de moun qui accepte le Seigneur Jésus. Et maître et esclave yo pa même moun nan encore. D'ailleurs, et je vais prendre le temps de lire ce texte, chers amis, dans Galates chapitre 3 au verset 28, yon nan bagay qui établit clairement le moun nan vin accepte Jésus, la kaili, statu yo vin changer, vin pa gen distinction encore entre juif avec grec, entre fille avec garçon, entre esclave avec non esclave. Bon, li texte lan, Galates chapitre 3, napli verset 28, mais ça le dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Premier contexte d'application, texte, esclave, soyez soumis à vos maîtres. C'est pour nous comprendre ni bien, dans le sens que l'apôtre Paul a parlé avec de monde qui appelait à gagner yon rapport, même avec moun qui en bas yo, même avec moun kap servi yo, yon rapport de fraternité en Christ. Parce que koun ya yo vin yon nan Christ. L'apôtre Paul a dit yo en d'autres termes, moun sa kap servi nou, an, esclave sa, c'est pas nan statut esclave lan pou nou fè, mais koun ya faut nou considérer comme yon frère en Christ. Faut nou considérer comme yon sœur en Christ. Type de traitement, moun ki pa dans le corps de Christ, yap bay esclave pa yo, nou même nou pa ka fèl parce que koun ya, tout fami sa, yo vin en bas Christ. Soti nan chef de ménage lan, chef foyer lan, rive nan denye moun ki en bas net lan, esclave ki pi mal lan, koun ya yo tout yo vin fè youn. Principe fraternité humaine lan, li a la base qu'on y a de relation entre maître avec subordonné, entre maître avec domestique, entre maître avec esclave. C'est principe fraternité humaine en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, qu'on y a nous vin engendré spirituellement. Ça, l'apôtre Paul l'a dit en d'autres termes, et nous allons le voir
dans la lettre à Philémon. En Jésus-Christ, qu'on y a statut esclave l'an l'ikaba, nous vin fait youn, pratiquement, c'est-à-dire d'un point de vue du point de vue de relation de tous les jours, traitement wap bay moun ki an bo la, li suppose yon traitement emprunt d'amour de Christ, l'amour de Jésus, c'est ça qui est à la base de traitement ça. Maintenant, qui sens en réalité, première application verset 1, c'est une application pour les chrétiens. Et l'apôtre Paul pral dit, moun sa, qui nan situation subalternant, nan situation de soumission, pour lui obéir, met li. Parce que li gon porte révolutionnaire. Moun sa koun ya, ki konne li en Christ, met li en Christ, koun ya relation yo, c'est de relation qui balance. Tendance sa, c'est ta capable. Koun ya la, m'pa dro en yen. M'pa fan yen pou ou, parce que moi libre en Christ. C'est vrai, yo libre en Christ, mais la parole de Dieu mande yo pou yo toujours bay service yo te doué, yo te kon bay. C'est vrai, traitement, met lan te kon bay yo changé, mais sa pa. Comme on t'a dit là, et épargner du fait que yo doué en réalité répondre à ça yo gagne comme devoir. Ça, chers amis, est très 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 important. Esclaves, obéissez à vos maîtres. C'est dans contexte ça pour nous comprendre et sans parler plus loin, nous allons rentrer dans l'autre texte qui est fondamental. Et ça, je pense que c'est lui qui expliquait type de rapport on a parlé là puis bien, c'est l'être Paul écrit à Philémon. Bon, tout qu'est-ce Philémon? Philémon, c'est un propriétaire d'esclaves. Ça n'est les esclaves. Là, encore une fois, moi, t'ai expliqué que nous parlons dans le contexte esclavage 18e siècle. L'esclavage moderne, c'est l'esclavage ancien. Philémon vient accepter le Seigneur Jésus. Philémon sont croyants. Philémon sont un disciple de Christ. L'apôtre Paul pral écrit Philémon. Par rapport à un esclave, Philémon gagne, y aurait les Onésime. Les prêtres dit Philémon, moins qu'on est, Onésime peut-être t'es fort tort dans le passé. D'ailleurs, Onésime sauvé le quitté Kaelan. Onésime peut-être t'es fort tort dans le passé. Mais Onésime avec moi, moi gagne cette joie immense pour me dire que Onésime acceptait le Seigneur Jésus-Christ. Ou même avec Onésime, nous fait youn en Christ. Ou pas qu'à traiter Onésime, même j'en te qu'on traite l'envant en tant qu'esclave. Donc, m'a voyé Onésime retourner barou. C'est vrai, côté mié dans prison, m'a pécoulette ça, m'te qu'à kembel, li tap utile moins. Mais la pi utile ou toujours, donc m'a mando, s'il te plaît, Philémon, dans l'amour de Christ. Et m'bre li texte en oui, m'a bon en gros, ça cap dit la dande. Dans l'amour de Jésus, accepter Onésime, et pas accepter en tant qu'esclave, mais accepter en tant que frère dans la foi. En d'autres termes, statut yo changé. En d'autres termes, réalité yo pas même encore. Qu'on y a là, statut Onésime, même s'il est toujours au service de Philémon, li gon statut égal égo avec Philémon en Christ. Mais l'apôtre Paul a enseigné Onésime pour le rester au service de Philémon. En algade, il y a deux versets jusqu'à trois versets qui intéressent. Moi, je vais pointer pour vous, pour nous, côté nous sortir à tout ça nous disant. Et son lettre qui gon seul chapitre. C'est ça qui fait en général l'on appelle Philémon ou pas dit Philémon chapitre 1er ou seulement dit Philémon. Et pour bâiller verset. Si m'da dit par exemple Philémon 3, c'est pas pour ne pas parler de Philémon chapitre 3 parce que pas des 3 chapitres. Philémon 3 voulait dire verset 3. Bon, ça c'est ton petit parenthèse. Maintenant, Philémon, disons 3 justement, ça tombe bien. Philémon 3, ça voulait dire Philémon, un seul chapitre, verset 3. À l'église qui est dans ta maison. D'abord, l'apôtre Paul, bon, les premiers versets, hein. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. On nous fait camper là. L'église primitive,
la première église en fonction. L'église, ça nous appelait l'église apostolique. L'église des apôtres. Mwen, nan bouche mwen, mot apôtre ça veut dire ça yo qui était avec Jésus physiquement dans le ministère de Jésus plus l'apôtre Paul. C'est yo qui apôtre. Ça yo qui était avec Jésus plus apôtre Paul qui pas avec Jésus physiquement mais qui était gagné en révélation spéciale. Christ était paraît et sur la route de Damas, il révélé là l'apôtre Paul. Le m'a parlé de apôtre c'est le monde ça m'a parlé. M'a parlé de apôtre à l'équilé en veux-tu en voilà. C'est pédagogie n'a fait ou d'accord pas vrai. Chaque l'homme gonti occasion pour mettre les points sur les i faut me faire. À l'équilé ou attend des gon série de apôtre en veux-tu en voilà. C'est pas de apôtre ça m'a parlé. Apôtre nan bouche moi livlé dit on bagaille très clairement et c'est ça qui fait me pas quoi apôtre exister encore. Bref, me fermer parenthèse là. L'apôtre Paul a parlé, pas vrai? Li dit à l'église qui est dans ta maison, l'église qui est dans la maison de Philémon. Première l'église primitive, c'était des églises de maison. Et ça son réalité en pile fois moun pa comprendre ni qui fait yo interprète en pile texte mal. L'église yo, pas oublier, la chrétienté prend naissance. Yo te considéré le fait prend naissance tant qu'on ti sec. On ti sec fermé, moun sa yo juif mais yo pas fin comprendre côté au campé parce que y a remettre en question ensemble bagaille et du judaïsme. Mais a dit mais si tu gen pour venir en vini, ou pral wè yo pral commencer par la suite subir persécution parce que juif yo pral commencer identifier chrétien yo comme de vraies menaces. Donc l'église primitive, c'était des églises de maison. Meilleure façon de kabor, ça qui correspond à l'église de maison, hein, c'est ça n'a prélé à l'équilé cellule. Cellule de prière et cellule ça yo fait en général dans kay. Mais à la base, pas de gros temple côté pour chrétien t'es à l'adorer. Chrétien yo t'es qu'on réunit, semaine ça nous réunit kay frère Georges. Semaine prochaine, n'a réuni Kaïsse Nadia. C'est comme ça l'église en te kon fonctionne. Et chaque monde te kon structure la kayo d'église. C'est exactement ça l'apôtre Paul a dit là, à Philémon, à l'église qui est dans ta maison. L'église qui est dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'église de la maison, c'est cadre rapport ça n'a parlé là rapport qui t'est gagné entre membres qui dans communauté ya. Rapport entre maître et esclave là c'est en dans l'église ça c'est-à-dire gon corps constitué gon communauté de croyants qui fait et le l'apôtre Paul a parlé avec Mounio l'a parlé avec Mounio de ce lieu du fait que gon corps qui est constitué. Donc, message sa premier moun li adresse, esclave obéissez à vos maîtres, c'est à chrétien li adresse. Ou dit pasteur, mon ti Jean perdu, te quoi dit, nan communauté sa, pas gen chrétien encore, pas gen esclave encore, pas gen maître encore, tout vin fait youn nan Christ. Pour qui ça l'apôtre Paul a écrit, pour toujours adresse, pour l'abdio, esclave obéissez à vos maîtres. Eh bien, parce que tout simplement, le gen un statut qui change, ou ka soti non extrême pour aller non yon lot. Ou ka soti non yon extrême pour aller non lot. Nan ka Onésime nan, koun ya Onésime konnen, li fait partie du corps de Christ. Li fait partie des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Li sou même piédestal avec Philémon. Sa ka pote li à la négligence pour sa gen pour le faire comme service, pour le patafel. Philémon pas supposé traiter Onésime n'importe Jean parce que Onésime c'est un frère en Christ. Ça qui fait ciment qu'on y a entre Onésime et Philémon, c'est par rapport maître à esclave, c'est rapport d'amour en Christ. Jean chantait nous qu'on chantait avec il dit nous sommes un dans un lien d'amour. C'est lien d'amour ça qui fondement relation Onésime avec Philémon. Cependant, c'est pas en raison pour Onésime li
li pa fè sa l gen pou l fè en tant que moun k'ap servi Philémon. C'est ça qui fait l'important. Esclave obéissez à vos maîtres. Dans le contexte de l'Église, nous voyons bon deuxième contexte, hein, très important. Dans le contexte l'Église de maison, moun sa yo que Paul a écrit, ça veut dire tout simplement qu'on y a nous c'est youn, mais devoir nous gain, devoir domestique, il faut nous toujours faire yo. En nous lit texte parce que m'pa veut dire dit bagaille pour penser c'est non tête moi yo sorti, n'a fait exégèse, n'a fait pédagogie. On a regardé toujours dans Philémon 9, moun ki fait brancher dit oh pasteur Philémon pa gen 9 chapitres non, c'est parce qu'on pas de brancher. Dédou depuis son seul chapitre livre Philémon gagné, depuis on dit Philémon 9 ou tout connaît ces versets 9. Philémon 9, m'a pli à partir de depuis Philémon 8. C'est pourquoi bien que j'ai en Christ, c'est l'apôtre Paul qui a parlé à Philémon. Il fin dit, j'ai éprouvé beaucoup de joie, de consolation au sujet de la charité, car par toi, frère Philémon, le cœur des saints a été tranquillisé. Philémon son monde qui te kon aide mounio, Philémon son monde qui te kon pote aide pour travail bon Dieu, pour soutenir apôtre, etc. Apôtre Paul dit, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. En d'autres termes, l'apôtre Paul a fait Philémon comprendre, il a gagné tout droit pour demander Philémon fait de bagaille, puisque il engendrait spirituellement Philémon, mais il dit c'est pas au nom de ça m'a écoute, ça m'a demandé là c'est au nom de l'amour ou bien au nom de la charité. Charité, l'amour qui fait lien entre les frères chrétiens dans la communauté. En nous continuant les versets 9 longs, la charité que je t'adresse, donc c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Apôtre Paul a utilisé statuli en tant que monde qui prisonnier pour la cause de l'évangile, pour adresser yon frère pour le dire nous c'est youn au nom de l'amour de Christ m'pral fò yon demande. On gade qui demande l'apôtre Paul pral fè et Philémon. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime qui autrefois t'a été inutile mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. L'apôtre Paul fait une demande explicite à Philémon pour Onésime. Sous qui base lui fait demande là sous base l'amour que lui-même l'apôtre Paul, que Onésime, que Philémon partageait en Christ. Pas vrai, en Christ. Et remarquez texte en dit pour mon enfant que j'ai engendré. M'aimer traduction ça. Là, il est question d'engendrement spirituel. Mon enfant que j'ai engendré. Ou songez l'un d'ap commencé, m'te dit que nous toutes, nous ces petites bon Dieu, dans un sens très large. Tout monde qui vive dans un sens très large, ou ces petites bon Dieu, en ce sens que c'est bon Dieu qui créait tout le monde. Tout le monde. Sans exception de race, de couleur. Madame Edou, il même dit de race, qu'on seule race, sans exception d'ethnicité, qui couleur moun nan, qui hôtel nan, qui pays. C'est bon Dieu qui crée tout le monde. D'un point de vue global, bon Dieu, c'est lui-même qui engendre le monde, c'est le père de tout le monde. Mais en Jésus-Christ, qu'on deuxième engendrement qui pourrait le faire, c'est ça me relève engendrement spirituel. Là. Le bon Dieu engendre le monde, bon Dieu crée le monde, moun t'es capable dans l'obéissance à Dieu engendré spirituellement. Très important, chers amis, bon mon ti attention soutenu. Bon mon ti attention très soutenu. C'est pédagogie n'a fait, nous dans pédagogie la foi chrétienne, n'a mettez les points sur les i et c'est peut-être et occasion nous gagner pour nous faire que nous pas capable gagner dans contexte le nous gain service parce que service yo gain de durée limitée. Bon Dieu l'a créé moun,
li créer moun avec libre arbitre, moun nan ka choisi quitter ce bon Dieu qui engendré le spirituellement ou bien ka choisi rejeter bon Dieu. À ce moment, bon Dieu seulement créateur, li c'est le père créateur, mais li pas engendré moun nan spirituellement. Moun nan pote image bon Dieu, c'est-à-dire moun nan gen capacité pour choisir ça qui bon, mais en même temps il gen capacité pour choisir désobéir bon Dieu. C'est ça que fait bon Dieu fait moun libre. Bon Dieu fait moun avec liberté. Tout moun kap vive, yo se petit bon Dieu dans le sens que c'est bon Dieu qui papa yo qui créé yo. Mais c'est pas tout moun kap vive qui engendré spirituellement. Et dans ce sens ça que bon Dieu c'est papa spirituel. Tout le monde c'est créature de Dieu. Tout le monde pas dans ce sens ça enfant de Dieu. Ou vin enfant de Dieu, l'heure où spirituellement né en Jésus-Christ. Et c'est là distinction pral établie dans la communauté des frères, ceux-là qui ont été engendrés spirituellement en Jésus-Christ. Ceux-là qui sont nés de cette nouvelle naissance en Jésus-Christ, c'est eux-mêmes qui viennent enfants, enfants de Dieu. Et moun sa yo, justement, c'est eux-mêmes qui gagnent rapport nan, entre eux, pas supposé gain esclave, pas supposé gain païen, pas supposé gain juif, pas gain grec, pas gain barbare, nous viennent youn nan Christ. On trouve c'est extraordinaire et c'est beau. Et c'est ça qui fait pensée chrétienne, non? C'est première pensée de l'universalisme. C'est première pensée qui portait l'universel. Gon bagay yore le moun qui, en dehors de toute particularité, en dehors de toute singularité, yon pays, yon ethnie, en dehors de culture, gon bagay ki re le moun qui allait au-delà de toute bagay sa yo, qui permettent nous qu'à toucher à l'universel. Tout homme est un homme, dirait l'autre. C'est l'évangile qui portait message ça essentiellement. C'est la parole de Dieu qui portait vision de l'humain, moun en tant que moun. C'est ça que fait nous-mêmes, moi j'aime faire parenthèse ça yo. Nous-mêmes, le nous fait face à des situations dans les temps mauvais. Faut que nous pas chercher bouc émissaire. Faut que nous comprenne problème, non c'est pas problème républicain ou bien problème démocrate. Faut que nous pas penser problème dans ces problèmes vaudouisants ou bien problème catholique. Faut que nous essentiellement en tant que chrétiens comprendre que problème non, c'est un problème de péché dans le cœur de l'homme. Parce que sinon, n'a reproduit même erreur qui fait à travers l'histoire, n'a pointé du doigt un groupe de monde comme si c'est yo qui responsable problème nous. Alors que nous pas ouais, fondamentalement problème non, c'est un problème à la base du cœur de l'homme. Nous c'est être ça qui miné par le péché. Et si nous pas fait yon l'autre fois dans la nouvelle naissance pour péché pas gain domination sur nous, pour la faire nous faire de bagaille terrible, ah ben c'est fini. Même si l'autre monde qui pas connaît Christ, y a pointé l'autre monde du doigt, tant que c'est tel monde qui problème pays. Si groupe monde ça ou pas existé, problème pays pas tab jambe gain problème. Ça c'est monde qui pas connaît le Seigneur. Pour nous autres qui connaît Christ, nous connaît problème non, c'est pas un groupe monde. Problème non, son problème dans le cœur de l'homme. On va retourner dans texte là, suivez mon regard. M'a retourner dans texte là, bon font petit point d'actualité. Si nous permettons rapidement qui le lié, 17h04, n'a fini à 7h30. Bon font petit point d'actualité. C'est hier seulement hier. T'es gagné campagne électorale aux États-Unis que ancien président Donald Trump t'a fait. À Philadelphie, Pennsylvanie ou Philadelphie. Et écrit ça dans le live là pour moi, son bon façon pour me connaître, est-ce que n'a suivi moi. Campagne a fait et puis à bout portant on est qui tirait sur Donald Trump. Chers amis, m'a regardé vidéo hein, presque dans moment bah la passé hein. Bon seul bagaille qui dans l'esprit Seigneur qui est moon qui sa média ou elle qui profile moun qui fait bagay ça. Est-ce qu'on est piège là? Seigneur qui profile moun qui fait ça. Surtout, pas quitter son noir. Surtout, pas quitter son moun qui immigré, qui fait immigré ou bien qui pas gen longtemps qui rentre aux États-Unis, qui sorti non pays. Parce que c'est comme si y a toujours un prétexte.
moun ki pa renmen moun, moun ki pa vle wè lòt moun ki soti nan lòt peyi, y ap toujwen nou pretèks pou yo rentre sur le boulevard de la haine pou yo repann venen en nan tèt moun ki feb. Y ap tout profite. Premier réflexe moi c'est de dire Seigneur qui est-ce moun ki fè bagay sa? La question nan c'est pas le chercher konn le motif moun nan d'abord. Question nan c'est regarder faciès moun nan parce que média yo conditionné ma ça. Parce que m'gétan mette nan tête moi si son noir. Bon, c'est comme si m'da dou nou tout yo tout mette de l'eau nan moulin. Moun ki pa vle wè moun noir, moun ki pa vle wè étranger, moun ki pa vle wè immigrant yo tout mette de l'eau nan moulin yo. Pour yo mba konnen et poursuivre et mener agenda yo contre l'étranger donc moi-même tout moi vinn prendre même piège là son réalité n'a vive c'est notre réalité nos sociétés nou yo c'est pas seulement aux États-Unis me souhaite au bien conscient de ça réalité en c'est que société au gonjan yo soulevé un groupe moun contre un autre groupe moun. Si pays a nan sali la, c'est parce que gen moun ki soti nan l'autre pays vin pran travay nou. En Europe, c'est même bagay lan. Gen yon discours de haine, gen discours de peur de l'autre, gen discours de méfiance. Donc, tout discours sa yo, c'est de discours ki fè yo choisi un bouc émissaire pour joindre, c'est comme si c'est yo ki responsable de sa ka privé nou. Et si mal est plus loin dans l'histoire, c'est exactement ça qui est arrivé dans les années 1920. Gon discours qui commence à monter en Allemagne, côté, il a fait sentir ces juifs eux-mêmes qui responsables. Faut nous libérer paysans de moun sa yo. Faut nous libérer paysans de moun sa yo. Et le reste c'est l'histoire. 6 millions de juifs exterminés dans des camps d'extermination. De bon en logique, chercher bouc émissaire qui groupe monde qui fait bagaille mal comme ça ou non pente ou son pente dangereuse. Nous-mêmes en tant que chrétiens, nous connaissons le problème. C'est pas un groupe monde en particulier, c'est le problème du cœur de l'homme. C'est le péché qui mine. C'est le péché qui sape et qui s'aborde. La relation de l'homme avec son Dieu. Nous pas qu'arrêter dans surface, faut nous aller en profondeur. Donc l'homme garde des nouvelles, yo m'a dit tête moins. Si son noir nous entravé, si son immigrant nous entravé. Mais en réalité, c'est pas ta droit réflexe ça me gagner. On ta doit comprendre peu importe moun qui fait l'an son problème du cœur de l'homme, moun n'était qu'à noir, il était qu'à blanc, il était qu'à jaune, il était qu'à républicain. Li te ka démocrate, li te ka n'importe moun. Depuis moun nan pa la, dans la régénération, la nouvelle naissance. Et c'est ça. Et parole bon Dieu, c'est ça. Et l'évangile permet de nous comprendre. Gon bagay yore l'humain, moun, et nous tout nous exposer. C'est ça que fait. La grande libération de l'humain, c'est la libération de l'âme. La libération de l'âme du péché, du mal. Peu importe quand on sortit de vous, c'est monde qui connaît Jésus ou libéré. Il y a un monde qui régénéré, il y a un monde qui naît de nouveau, pas posant action comme ça, en d'autres termes. Même s'il était blanc, noir, jaune, quel que soit saleté ayant. C'était une petite parenthèse par rapport à l'actualité 1. Qui fait nous comprendre que dans le texte, l'apôtre Paul a présenté Onésime à Philémon non plus comme un esclave, mais comme un frère qui n'a un lien d'amour en Jésus-Christ avec tout l'autre frère qui fait partie de la communauté. Donc, en d'autres termes, l'apôtre Paul parlait de mon enfant que j'ai engendré, c'est même Jean ou qu'a considéré. Moun ki rentre dans la nouvelle naissance, li engendré spirituellement. Li vin spirituellement enfant de Dieu. C'est là nou teye ou songe. C'est vrai, bon Dieu, c'est papa tout moun, dans le sens que c'est le créateur tout moun. Mais,
Nous vîmes enfants de Dieu spirituellement en Jésus-Christ par la nouvelle naissance. Et c'est le ça, nous connaît, rapport nous avec moun, rapport nous avec l'autre moun, li défini par l'amour de Jésus. Et li pas seulement rapport nous avec moun nous remè, non? Rapport nous avec tout moun, si nous sommes dans cette nouvelle naissance, si nous nés en Jésus-Christ, rapport nous c'est de rapport d'amour envers l'autre. Nous devons aimer prochain nous. Donc l'apôtre Paul a dit Philémon, qu'on y a Onésime, m'pa voye le baou en tant qu'esclave. Onésime son frère, même j'en son frère. Rapport dans son rapport d'amour. Verset 11. Je t'envoie donc Onésime qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie. Lui, mes propres entrailles, j'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Ça, la parole de Dieu fait, li redéfinit rapport mounak mounio, même rapport esclave, maintenant redéfini. Pour mon cap dit la Bible cautionne l'esclavage parce que la Bible pas de jambes parler contre l'esclavage, ni pas de jambes condamner l'esclavage. La Bible pas de besoin condamner l'esclavage. Déjà dans la communauté, yon esclave qui chrétien, yon maître qui chrétien, automatiquement pas de rapport esclave à maître encore. Rapport ça aboli le tombé. Pour qui ça? La Bible pas aborde des questions frontalement. Eh bien, parce que l'évangile pas tap ka propager. Parce que automatiquement, ou remettez en question yon ordre social dans contexte ça, yon tap touye tout chrétien yon. Message qui te doit propager, le pas tap ka propager. Moun pas tap getan recevoir li. Et c'est comme si m'dadou, ou touye pou la nan zea. L'évangile pas tap jom ka fè chimel. Bon Dieu, son Dieu de sagesse. Pas de nécessité pour parler ouvertement de l'esclavage, mais non, enseignement la parole de Dieu à travers les apôtres. Esclavage pas kakembe. C'est comme si Mdadoula, esclavage aboli de lui-même, de l'intérieur, tout au moins, dans la communauté des frères et sœurs. Et c'est première étape plan application passage là dans la communauté des frères et sœurs, plus de maîtres, plus d'esclaves. Maintenant, pour éviter que moun ki pa esclave encore qui nan unité ça yo tombe non l'autre forme de d'extrême, l'apôtre l'a encouragé yo pour yo obéir, l'apôtre l'a encouragé yo pour yo soumettre, mais pas en tant qu'esclave, dans l'amour. Ça c'est premier aspect qui est important pour nous comprendre dans le passage. Un deuxième aspect qui est très important, c'est par rapport, là, nous parlons de cadre, l'église de maison, il est 7h14, l'église de maison. Mais où dit pasteur, ok, donc, dans le cadre de l'église, non, pas d'esclavage encore, pas grec, pas juif, pas païen, pas homme, pas femme, pas esclave, pas libre. En dans l'église, non, nous sommes frères en Christ. Ça, nous comprenons, nous. Que dire par rapport à un monde qui de yon kap li yon message comme ça? Yon esclave qui de yon, qui pas chrétien, parce que maître li pas chrétien. En passant, esclave l'an pas de ka levé pour la chrétien comme ça. Li pas de gen droit ça. Esclave l'an pas de ka décidé si maître li tap servi tel dieu, un dieu romain par exemple, li même li décidé pour le servi un autre dieu, li pas de gen droit ça. Donc, esclavlan li ale nan direction met li menen. Kou nou di, ok, pasteur, maintenant, nou kite l'église de maison, et sa kap passe nan moun lan, nan empire lan, si yon moun ta li text Paul la, yon esclave ta li text Paul la, est-ce que quelque part, se pa yon façon Paul a encourager pou esclave la rete esclave? Ou esclave la rete esclave. Laissez-moi vous expliquer. Esclavage sont institutions millénaires.
Li gen plizyor form nan diferan konteks e sosyal istorik. Men son institisyon milenèr. Depi le Spartacus, wè gen moun kap batay kont esklavaj. Se pa Toussaint, d'ayòs, se sa ki ou pralè le Toussaint l'ouverture, le Spartacus noir. Paske gen moun, prinsip de liberté a moun toujou ap goumen pou yo lib. Paske se bon Dieu kreye moun kon sa. Bon. Moun yo kap viv, chers amis, ki pa konen Kris, ki ta li yon let kon sa, se de hipotez nan fe ki tout a fe plausib. Yo ka jwen nan let sa, yo ka jwen nan injonksyon esklav obeyi metwa, yon fason pou yo reziste a de fòm d'opresyon ki tap egzersè sou yo. Ou di, m pa konprann, koman yo jwenn fason pou yo reziste a opresyon, le lapòt lap di yo se soumèt pou yo soumèt, se obeyi pou obeyi. Nan ki sa, sa fè yo reziste. M pa l'eksplike nan ki sens. L'Empire Romain li min biznis sou kesyon jere enterèr empir lan, ordre sosyal ki etabli an, son ordre ki proteje, gen moun kap defan ni, gen moun ki gen entere la dan. Esklav yo, se pa de moun ki gen mwayen pou yo renverse yon ordre kon sa. Se pa de esklav ansam sou de gran chan de plantasyon, jam de zoulian, lo ap kompare la l'esklavaj modern, pou yo ta federe, pou yo te fon soulevman d'esklav, son bagay imposib. Son bagay imposib. D'ailleurs, les légions, les différentes légions de l'armée romaine, moun ki fait histoire, raconte très bien comment yo fonctionné. Question maté révolte, yo bon nan question maté révolte. Ma bien pou me faire une présentation sur la révolte des Maccabées, ou ka peut-être qu'on t'en parlé, ma fon présentation spéciale sur ça, même pas fait digression ça. Yo te bon nan question contrôler moun, contrôler et soulèvement. Yon esklav ki ta deside l'ap souleve kont l'ordre etabli, se menen l'ap menen tèt li l'abatwa, se touye l'ap menen touye l. Yon esklav an deyòr de l'Eglise, ki ta resevwa let Paul lan, menm si li pa jwi de chanjman statu esklav ki nan l'Eglise de mezon an jwi, men li menm tou si l'aplike prinsip sa, li jwen on bagay la dan. Ki sa jwen la dan? Eh bien, ça l'apôtre Paul est enseigné dans texte l'an même. Le l'apôtre Paul dit, sous l'inspiration de l'esprit, fais-le comme si c'est pour Christ soit fait. Fais-le comme si, ou pas fait pour Mounsa, ou te kagen haine pour lui. De telle sorte que, chers amis, l'idée c'est qui ça? C'est vrai, au contrôle le corps. C'est vrai mettre ou en li contre nous faire de bagarre à corps mais pas quitter le contrôler l'esprit ou quitter corps à bali mais rester libre dans l'esprit ou pas tomber dans ressentiment. Ressentiment sont forme d'amertume qui fait moun nan vivre dans la haine. L'apôtre Paul a dit en d'autres termes pour tout le monde et pour les chrétiens mais surtout pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Pas tomber dans l'amertume, pas tomber dans la haine. Recevoir, ça va recevoir dignement, dans le sens que, pas quitter, mettre l'en cap maltraitant là, faire mon en prison. C'est pour libre dans l'esprit. Li ka utilise quoi, mais pas mettre l'esprit. Obéir comme si, c'est pas même li même moi pour obéir, c'est Christ soit pour obéir. Pas gagner libération en dehors. Don émancipation dans l'esprit moun. Moun qui vraiment libéré, c'est moun qui émancipé, qui libéré dans l'esprit. Ça fait la parole de Dieu prend le soin pour toujours dire moun, faut qu'on pardonne. L'on pas pardonné au moun qui font mal. Moun nan kembo prisonnier ou prisonnier moun nan. Moun nan getan fò bagala, li même li getan blié, l'a vive la ville ou même ou prisonnier. Moun nan vin exerse yon pouvoir sou ou, se ou même ki bal pouvoir pou li exerse le sou ou. Se même jan l'on moun li enfermé dans la haine, haine sa li enfermé la dan nan, eh bien, possède l. Et sa li ka mine vi moun nan.
Donc, même si on moun pas ta chrétien, l'être li pa à destination moun qui pas chrétien. L'être li à destination des chrétiens de maison. Esclaves obéissez à vos maîtres comme au Seigneur, li destiné à des chrétiens parce que conditions ont changé. Qu'on y a yo pas esclave dans le sens que yo pas non rapport moun ap toupizi yo parce que met yo chrétien tout. Maintenant, pour esclave sa yo qui ta chrétien en cachette, qui ta accepté la bonne nouvelle en cachette, met yo pas chrétien mais yo même yo chrétien, yo libéré. Yo libéré parce que maintenant ka utilisé ko yo mais l'esprit yo libéré. Yo konnen ça y a fait pour mettre l'en cap maltraité, on c'est pas pour mettre l'appel, c'est pour Christ. Maintenant qui sens li son émancipation pour esclave ça qui pas laissé li enfermé dans la haine, qui pas vivre avec amertume, qui pas vivre avec en forme de jalousie, qui est tellement libéré que li ka livré koran bay moun kap maltraité là. On pral fini. Même pas ta ka bien fini si m'pa ta prend illustration ça par rapport en réalité n'a vive dans pays nous en Haïti. Gen en forme que me considérer comme en forme moi fort hein, d'esclavage moderne qui gen poué à sa nou rele phénomène des enfants resta avec en Haïti. Ça nou rele resta avec yo. Si m'tap aplike texte sa que nous saute travail sou li, fait exégèse sou li, à contexte ti moun sa yo, ki sa nou tap di? Nan yon monde idéal, institution sa, nou rele institution ti moun en domesticité, ti moun resta avec lan, li pa supposé exister. Moun pa supposé nan situation pou yo obligé parce que yo pa ka pran soin ti moun yo, yo pa ka voye ti moun yo l'école, yo pa ka bay ti moun yo yon avenir. Moun pa supposé nan situation pou y ap voye ti moun yo al travay, kay ma tante, kay cousine, kay grand-père, mba konnen, pou ti moun nan peut-être ka vin non bagay demain. Nan yon monde idéal, yon institution kon sa pa dwe exister. Suiv avec moi. Institution resta avec l'an dans yon monde idéal. Non pays côté et gagne société en prend moun en charge, société a prend tête li en charge, société a prend futur li en charge. Ou même pas même parler de l'état parce que ça li vinn tant qu'on ba trop facile. Tout moun a parlé de l'état. L'état en général, li c'est émanation de société. Bref, ça sont l'autre bagay. Société a prend tête li en charge, nan yon société côté société en prend tête li en charge. Yon institution kon sa pa dwe exister. C'est vrai ti moun nan fèt nan yon province très loin nan tèt moun Okay, on kote yo rele mba konnen non, an rele et mda pa di Sanit, mais Sanit pa si loin que ça, comparé à deux zones qui vraiment loin. Même si moun nan ta fèt nan zone ça, l'état ou bien société an ta pran en charge, pa tap gen nécessité pou paran voye le Port-au-Prince pou la travay kay madame pour madame ap traité le n'importe gens. Dans un monde idéal, tout simplement nous t'a dit fok reste avec kaba. Reste avec pas doit exister. Ça c'est le monde idéal. Mais dans le monde tel qu'il est, dans pays Jean Haïti Jean Liéan, comment nous ka fait face à réalité reste avec l'an li exister? C'est pas nous mêmes chrétiens qui inventé li exister. Et même si nous t'a fait pétition pour nous dire fait manifestation pour esclave et pour rester avec fini pour pas bien rester avec encore, c'est pas manifestation pour le faire pas bien rester avec encore, c'est condition pour t'a changer. Donc devant réalité ça, meilleur bagaille nous qu'a fait en tant que chrétien, c'est connait comment n'a traité ti moun ça qui sous responsabilité nous. Comment on a traité ti moun sa par rapport à propre ti moun pa nou? Comment on a traité ti moun sa par rapport à sa gagne comme de besoin que tout moun gagne? Besoin pour dormir même Jacques tout moun nan l'heure doit dormir. Besoin pour manger même Jacques tout moun même Jacques petit nou.
besoin pour l'habiller, pour l'habiller même Jacques petit nous, besoin pour aller à l'école, pour aller à l'école même Jacques petit nous. Donc en d'autres termes, si nous pas qu'à abolir réalité resta avec l'an, nous qu'à faire en sorte que c'est non seulement qui rete dans sa rele resta avec l'an, mais gens nous traiter ti moun nan, nous traiter le tant que petit pas nous. Au point que sa rele ti resta avec l'an, c'est non seulement crété la donne, mais traitement nous baliant son l'autre réalité. La l'école même Jacques ti moun nou, dans même l'école les jouis de bagay, même Jacques ti moun pa nou. Si nous pas qu'à abolir resta avec institution resta avec l'an, au moins nous qu'à transformer au point que li pas du tout salteye dans contexte yon moun ki pa konn bon Dieu, li pa même bagay dans contexte yon moun ki pa konnen le Seigneur. C'est ça qui différence en chers amis. L'esclavage, la Bible pa mande abolil, la Bible chrétien yo déjà yo té minoritaire dans société hein. Les chrétiens étaient minoritaires dans la société romaine du 1er siècle. Yo pa tab jam genyen moyen pou yo aboli l'esclavage, mais yo miné l'esclavage là de l'intérieur. Yo vidé esclavage là de substance li. Rapport moun ak moun en Christ, li vin primé sous statut d'esclave par rapport à maître li. En Christ, yo vin yon seul. L'amour de Jésus vin primé sous rapport d'exploitation, pas ka gen rapport exploitation parmi les enfants de Dieu. C'est ça l'Église fait. L'Église primitive, l'Église apostolique, c'est ça le message de l'Évangile. Fraternité humaine. Et c'est ça en pile moun pa rive comprendre. Pas de nécessité pour premier chrétien yo, pour apôtre yo, à écrire contre esclavage. Ça pas d'abay aucun résultat. Premièrement, yo minoritaire. Deuxièmement, yal expose tête yo pour yo remettre en question yon ordre que yo pas ka changer. Et nan remettre en question yon ordre yo pas ka changer, ça t'a fait message l'évangile yo pote ki te dwe propager an. Message an pa tab jam ka propager parce que yo t'ap getan éliminer tout chrétien. Mais yo miné institution esclavage de l'intérieur. De telle sorte que pour tout esclave qui en Christ, met yo en Christ, rapport yo c'est pas de rapport d'esclavage encore. C'est de rapport de fraternité. C'est de rapport d'amour en Christ. Mais ça l'évangile fait, mais ça qui gagne comme pouvoir de transformation dans le message du salut, dans le message de fraternité humaine, dans le message d'amour que le Seigneur Jésus-Christ lui portait dans tout temps il était passé dans le ministère li sous terre. Et mais ça nous-mêmes en tant que chrétiens nous gagne comme responsabilité chers amis pour nous porter. Mais ça nous gagne comme responsabilité pour nous porter ce même message. Moi me rappelle peut-être moins que celle-là li bay saveur li préserver et c'est rôle ça nous jouer. Gagne de bagaille ou miné au de l'intérieur, même genre ça t'est fait pour la première église, l'église primitive. Yo pa le goût mais fait protestation. M'pa di protestation pa gen place li. Moi même c'est un nan moun ki croit gen deux fois c'est pour parler. Surtout que kounya dans contexte pa nous pas minoritaire. Dans contexte premier apôtre yo était minoritaire. Mais dans contexte pa nous si nous ta considéré Haïti et même si nous ta considéré la société américaine, nous pas nécessairement minoritaire. Nous pas nécessairement, en tant que chrétien là, toute dénomination confondue, nous pas nécessairement minoritaire. Et c'est même l'inverse. Donc, m'pa vin dou, lorsque chrétien, ou pa nan fè moun, fòk ou pa nan manifestation, fòk ou... Non. Et pas ça m'a dit là du tout. Dans le contexte pa yo, yo pa ka fè parce que yo te minoritaire. Message qui pi important, le salut des âmes. Si yo te commencé à adresser problème social, pou yo remettre en question l'ordre préexistant, message là pas t'a passé parce que yo t'a tout et yo tout. Et puisque l'esprit bon Dieu son esprit de sagesse, li fait on connaît comment pour aborder question. C'est comme si m'ta dou là, si m'ai besoin craser un bagage, moi miner le par en dedans. C'est ça au fait par rapport à l'esclavage. Yo vidé de contenu le te gagné, yo balion l'autre contenu. Moun nan yo toujours relé l'esclave, mais en réalité son frère lié dans le Seigneur.
Mais pour nous-mêmes, nous avons l'autre contexte. Gen de bagay, gen de injustice, nous ka camper contre yo. Par exemple, gen de orientation société à prendre. Faut que nous camper pour nous dire, non, il pas de prendre orientation ça. Yon nan moyen nous gagner pour nous qui vivons dans la démocratie, c'est nan ça nous gagner comme moyen de pression. Influence, moun n'a choisi à le représenter nous. Nous devons intéresser à genre de question ça. Parce que nous en pile, nous ka influencer décision qu'a prendre non nous. Contexte yon changé. C'est pas arrêté seulement dans la prière. Dieu seul sait combien je crois dans la prière. Mais dans le contexte non, des fois c'est action pour poser. Nous songe là te gagner question Massimadi en Haïti, gagne groupe monde qui te campé pour dire non, ça nous pas qu'accepter. C'est pas nous, c'est pas société noire, il a imposé nous un modèle de l'extérieur. Parce que on te gagne capacité, eh bien ça te fait gouvernement lui ont genre ralenti. Et tout récemment encore et code pénal ça yo t'a pral mettre en vigueur, yo campé sous lit. Parce que gagne de monde et surtout dans le monde évangélique qui dit non, il pas normal, nous pas quoi dans type d'orientation ça yo. Puisque qu'on y a nous peser dans balance là, c'est pour nous faire tendre voix nous. Si n'a tendre moi même t'a dit nous c'est chrétien, j'ai à faire chrétien nous, chrétien pas dans politique, nous pas jamais tendre ça dans bouche moi. D'ailleurs, me penser li contre-productif, li pas selon la volonté de Dieu. Yon lumière ou pas gagner pour fouiller en battable. Ou mettre le sous tête mon nan pour éclairer toute zone nan. C'est wol nou yi, en tant que lumière. Nous devons chita sous tête montagne là pour nous éclairer tout côté nous éclairer. Et des fois, li mande pour nous ken bon pokat nan menou pour nous dire non, ça li pas juste. Pour nous dire oui, c'est ça nous vle, mais côté nous vle société aller. Gagne place pour ça. Seulement, on devait faire comprendre que dans le contexte pa yo wa, yo te minoritaire yo même, yo pas gagné capacité ça. Pour yoter infléchi orientation société ya. Qui ça yo fait puisque yo pa gen moyen pour yo peser dans balance là yo prend institution yo minel de l'intérieur. Il n'y a plus juif ni juif ni grec. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni païen ni esclave ni maître, ni homme ni femme parce que nous toutes nous c'est youn en Christ. Voilà chers amis, c'est ça que je voulais partager avec nous aujourd'hui en pédagogie de la foi chrétienne, comprendre côté nous yé, ça la parole de Dieu enseignée et comment nous ca appliquer dans société nous yo. Bon moi saluer quelques amis qui toujours fait nous plaisir pour yo suivre moment ça avec nous. Moi saluer ce Gerda Albert, moi saluer servante, moi saluer frère Ravix, moi saluer, moi saluer sœur Elsa, sœur Marie Aximéus, moi saluer frère Junio. Code Pete. God is good, frère Junio. Moins saluer pasteur Rosnel et Liscar, trompette du midi. Et moins saluer en pile l'autre ami qui branchait comme paouais sous live là, mais qui quand même attendait nous. Nous contents de ce qu'on choisit. Suivre moment ça avec nous. Alors, bon, regardez, il y a peut-être quelques commentaires. Est-ce que esclave ça, que Biba Paléa, est-ce que c'est pas une métaphore? Ok, ça sont une très bonne question de pasteur Rosnel. Est-ce que c'est pas en métaphore? Gain côté, effectivement, par exemple, l'apôtre Paul a présenté tête en tant qu'esclave de Christ. Il gagne justement valeur de métaphore, ça. Effectivement, pasteur Rosnel. Et meilleure façon où il traduit, c'est serviteur. Ouais, les bons côtés de métaphore. Mais gain de contexte tout, il fait référence à esclave, j'en connais l'an. Qui gagne nos rapports avec l'autre monde de maître à esclave. D'ailleurs, c'est sous rapport qui t'est existé réel ça et l'apôtre Paul gardait pour lui présenter métaphore là. C'est parce que tu gagne de vrais esclaves dans société hein qui fait le présenter tête les temps qu'on doulos thème grec l'anier, eh ben serviteur esclave de Christ. Oui, des fois gagne métaphore là, mais tu gagne tout réalité esclave là. L'autre commentaire, l'autre question, si c'est en réalité, est-ce qu'il n'est pas bon pour nous minimiser verset ça? Alors, Jean Doulan, si c'est pas seulement en métaphore, oui, mais là, c'est pour métaphore. C'est pas seulement en métaphore, c'est en réalité que l'a pas adressé.
Dans le contexte que l'apôtre Paul a présenté comme doulos de Jésus-Christ, comme serviteur, anglais a dit bond servant, utiliser métaphore. Mais ce n'est pas tout côté les métaphores. Donc, nous pas pour nous minimiser, nous pour nous well pour s'allier. Historiquement, il était existé. Et parce que historiquement, il était existé, qui réponse première communauté de chrétiens au Tébaï, et c'est ça nous souhaitons, ils ont rentré dans l'institution. Yo vin krasel en dan, yo entre en dan, yo krasel. De telle sorte que sou tal kay, Allah kay Filemon, ou ta wè Onésime, ou pa konne Onésime son esclave. Parce que yo non lien d'amour, yo non rapport de frère en Jésus-Christ. Toujours même de commentaire encore, est-ce que c'est dans siècle esclave là qui fait que la Bible t'a accepté? Oui, c'est exactement ça. Et j'aime sou t'expliquer nous, hein, chrétien yo te minoritaire. C'est une entreprise périlleuse, une entreprise qui n'a pas de futur. Si tu groupe chrétien, le président te dit, si minorité juive là, il a décidé de bataille contre l'esclavage. C'est comme si Mdadou ou mène une tête au l'abattoir, message ou vin potéan, ou tout yon message. Parce que vous tapez limino, message n'a pas fait route. Li. Et c'est justement ça qui fait, dans sagesse, li, bon Dieu pas mandé disciplio pour yon camper. Contre yon ordre établi, c'est un coup l'évangile là yon grain ou ciment, moun boko wè Eiffel, jusqu'à ce que pied bois commence à pousser, yon rendu compte, waouh, ça qui passe là, bagal arrive sous yon sans yon pas même rendu compte, parce que yon moun qui tape ciment. L'autre question, est-ce que si apôtre, bon moi, est-ce que si apôtre yon pas accepté esclavage là, est-ce que là yon même, yo patap gen yon empêchement pour yo prêcher l'évangile là. C'est ça, c'est exactement ça. Si yo ta campé yo di kounya là nous c'est révolutionnaire, nous pral bataille contre l'esclavage. Eh bien, yo ta maté révolution, hein? L'Empire romain, l'armée romaine ta maté révolution, hein? Yo ta perdu disciples, les apôtres, yo ta perdu nan vocation yo et nous-mêmes, nous patap jamais recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Premier appel, c'est ton appel pour la parole, pour propager l'évangile de Christ. Et c'est parce que yo bay l'évangile, quand il y a l'évangile, là, c'est lui-même. C'est un comme de kadou ça. Ou gon fouille, ou la gon ti bay la donne, et puis il pral prend tout panier. Ouais, gon grain ou ciment, c'est grain nan qui pral menen et reste bagay lan. Tout ce gen pou fè, c'est ciment grain nan. L'évangile son véritable puissance. Et moi-même, l'auteur Hébreux en dit, c'est une arme, la parole est une arme à double tranchant. Gagne de moments dans l'histoire, moun essaye prendre ou libre sous bon Dieu, prendre ou libre sous la parole de Dieu, pour y régler affaire par yo. Mais c'est même moun sa yo qui t'a utilisé la parole de Dieu, parole la pral virer sous yo, pour blesser yo, et des fois pour percer contre yo. C'est une arme à double tranchant. Moun pa ka manipuler parole bon Dieu, moun pa ka instrumentaliser parole bon Dieu. Ou peut-être ka fèl pou yon titan avec yon groupe moun, mais tôt ou tard cette arme à double tranchant la fini pa percer. Et c'est ça qui fait ça bon opportunité nous fini chers amis, ça bon opportunité pour me rappeler nous peut-être pour nous-mêmes qui te connaît déjà au 19e siècle les Britanniques yo nan pays côté question esclavage yo té très avancé là dans ni yo façon pour te permettre esclave yo soumis yo té créé ça yo relé la bible des esclaves bible des esclaves là jodi en côté n'a parlé là c'est aller Washington nan musée à Washington gagné exposition de la bible des esclaves au compte ça yo fait nan bible des esclaves là tout passage nan bible là qui t'a gen rapport à question opposition sous comment dire camper en face un système d'oppression camper contre un système qui a fait abus tout passage ça yo retiré yo mette dans bible ça depuis ces passages qui gen pour soumission tant que ça ne saute client pour esclave yo ka ouais mais ça n'a dit nous la bible cautionner l'esclavage et c'est ça yo fait. Mais ça, vous ne comprenez pas. Là, vous faites ça, malgré vous retirez tout texte biblique qui t'a montré esclave, là, lycée moun,
li fait à l'image de Dieu, li pas moins pour passer l'autre, etc., etc. A tout yo fait ça, esclave yo joint nan yo, en tout cas nan Kapanou en Haïti, yo joint nous joint nan nous, ancêtres nous yo joint nan nous, pulsion de liberté que bon Dieu créé nous avec là. Ça veut dire pas qu'un monde qui ka manipuler bon Dieu ni parole bon Dieu. Tôt ou tard, moun wap tout pizi, moun wap opprimé, parce que bon Dieu créé à image li, moun sa la fini par engager le sous voie liberté. Et ça la parole de Dieu fait, la parole bon Dieu bay moun ressort pour moun nan libre dans l'esprit. Ou gen wap tout pizi mkounia, ou gen kontrol kom, mais dans l'esprit moun rete un moun ki libéré. Ou pa mande tout côté yon on paquet esclave, joine ressort moral après tout ça yo subi. Côté au jeune ressort moral pour yo résister. Parce que bon Dieu gagne on bagaille mettre dans monde. Moun te fait pour vivre libre. Pour comment de monde qui a subi de forme d'injustice, yo pas jamais perdu de vue le bien. Nous gagnons sens de ça qui bien et ça qui mal. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Yo met tout pizi yon moun pendant paquet ton ta di moun nan ap vin bête. Moun nan pap jam vin bête. L'ap toujou gen conscience sa ki fè l konnen se moun. Li ka pran plusieurs générations, ka pran tan. Ou ka opprimé moun nan pendant un petit temps, moun pap jam ka opprimé l tout temps. Parce que c'est un principe divin en l'homme. Voilà, chers amis, on va s'arrêter là. Merci encore pour moment ça. Merci encore, m'ap mande nou s'il vous plaît. Nous t'es fabuleux, continuez fabuleux, partagez-le. Le live l'en fini, même si vous pas de guet envoyé, seulement cher. Bon côté en bas, l'a écrit cher, voyez le bas en monde. Dis-le, t'as aimé le temps d'interprétation ça, ou bien, ou t'as aimé l'y abonner à chaîne ça, chaque dimanche, nous toujours ensemble, etc. Partagez. Moi, bah, nous rendez-vous, encore une fois, pour yon live, dimanche, si bon Dieu voulait. Et dans ce maintenant, on va recevoir de l'autre contenu. Mais certainement, dimanche si bon Dieu voulait, à même l'heure à 6 heures, n'attend nous en bas live ça.